Donc ça va être beaucoup plus intense que l'année dernière. On a signé pour ça et on a hâte que ça commence. Les premiers mots d'Arthur Meurice, le régional de l'étape, mettent au clair l'affaire. Cette 45e édition du Tour Voile, la deuxième en Figaro Beneteau 3, s'annonce ardue. Au programme, 5 grandes courses, une vingtaine de parcours côtiers est construit. Jusqu'au 14 juillet, pas un jour de répit pour les 15 équipages engagés. L'objectif, c'est de se reposer un petit peu sur les jours à venir. On a un petit peu de bricolage, mais ça va. Et pour vraiment arriver en pleine forme, et ça va être un marathon, donc il va falloir tenir jusqu'au bout. Un marathon avec pour terrain de jeu la Manche et la mer du Nord, avec une ville départ bien connue pour le Tour Voile. C'est la 35e fois que Dunkerque accueille l'épreuve. Territoire venteux, donc normalement tout se passe bien pour l'activité de la voile. Et donc c'est toujours un plaisir effectivement de se retrouver sur le Tour de France à la voile. Pour les 103 marins en lice, l'heure est au dernier préparatif. Contrôle sécurité et passage devant l'objectif du photographe officiel. Ouais, voilà, comme ça. Ok, allez, c'est un test. Ne bougez pas. On va faire un petit quelque chose. Oui, comme ça là.